Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment référencer un texte ou faire référence à un texte et comment gérer les notes de bas de page. Si je veux référencer un texte, par exemple, si dans un de mes chapitres, j'ai parlé par exemple de la pollution et dans un chapitre un peu plus bas, je souhaitais parler de la nature et faire référence à la pollution, par exemple. Ceci se fait très très facilement avec la tech. Je ne pense pas que ça se fait aussi facilement avec des outils de traitement de texte comme Word ou OpenOffice, mais ça se fait relativement plus facilement avec la tech. Là, j'ai une partie dans mon texte, puis un chapitre, puis une section, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une sous-section, en fait, qu'est-ce que j'ai appelé 2-3. Puis après, je lui ai donné un label, mon label. Donc j'ai appelé 2-3, puis je lui ai donné un label, mon label. J'ai mon texte ici, auquel j'ai envie de faire référence. Puis j'ai des chapitres. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais copier-coller ici. Hop, texte, texte. Chapitre, puis une section. Puis une sous-section 4-5. Et dans cette sous-section, j'ai envie de faire appel à l'autre sous-section ici et d'en parler en fait pour différencier. Qu'est-ce que je fais? J'écris par exemple, je fais référence ici à, puis anti-slash ref pour faire référence, pour dire que la référence que je souhaite appeler, c'est mon label. Puis anti-slash ref, pardon, mon label, le même que j'ai ici. De la page, et puis qu'est-ce que je fais? Anti-slash page ref pour donner la page où est référencé mon label. Puis je redonne mon label encore. Si je compile, j'ai quelque chose qui ne marche pas. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout ce que j'avais tout à l'heure. Hop, deux. J'ai mon texte, puis deux. Puis ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, je fais référence à 011 qui est ma sous-section. Écoutez, je vais lui donner un nombre ici, par exemple 1. Là, je vais donner 1, puis ici 2, puis je compile. Hop. Qu'on va ici. Je fais référence à 011, qui est ma sous-section, en fait, qui est à la page 3. Si je remonte à la page 3, j'ai bien ma sous-section ici. Hop. Je suis bien ici à la page 3011, voilà le numéro 1, et puis je suis bien dans ma sous-section. J'efface tout ça. Je recopie du texte. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les notes de bas de page. Donc, supposons que j'ai ici. Enfin, que je veux référencer ça, si je veux en faire une note de bas de page. Donc texte, ici je fais anti-slash, footnote. Puis
Là-dedans, je fais par exemple ceci fait référence à un. Bon, ceci est l'un de mes textes. Si je compile. J'ai beaucoup de textes ici. Et puis dans ma note de bas de page, ceci est l'un de mes textes. Et puis j'aurai un petit 1 ici en haut, comme quoi ce mot-là a une footnote ou une note de pied de page. Il est préférable de la référencer ici. Et ça s'incrémente automatiquement si je fais par exemple footnote ici. Je mets un autre texte. Ce sera le deuxième. Voilà, un autre texte. Puis, mon Dieu. Et Dieu seul sait combien de personnes j'ai vu galérer pour cette histoire de nom de bas de page sur Word, etc. Avec la tech. Ça se fait très très facilement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi, hein, et à bientôt dans une nouvelle vidéo tutoriel sur kezako.com.